Waza les mateurs, Djadjof Samagai, welcome to the Matmé Video. Aujourd'hui, on est de retour avec le concept Galsen Waza. Donc, Galsen Waza, juste, c'est Galsen News que j'ai renommé. Galsen News pour Nifi Yaganek, ça fait 2 ans avant le look-up. Genre, c'est les news que je donne, c'est mon slogan, learn alone. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment. À tout instant, je vais donner des news, je vais faire Galsen. Donc, c'est bien de se réinventer, de renouveler les affaires. Donc, Galsen Waza, ça va être le même concept, mais pour que nous puissions faire des affaires, peut-être que nous puissions faire tout ça. Et parfois, je vais donner mon point de vue sur les news. Donc, voilà, je vais commencer vraiment. Je tiens à cœur, c'est bien. Nous allons nous faire parce que nous allons nous faire. Si tu souffres, il y a un pouce pour définir, un pouce bleu. Bombe len moko quoi massacrer len ko automatiquement ça yo len jotté ci sama notification su len bëgg ñuy produire une vidéo yo xamné day am qualité ñu sonn ci ñu am un travail vraiment derrière pour encourager ñu on a juste besoin des pouces bleus pour référencement bi quoi vidéo bi mëna jog ñëpp mën ci jot quoi vraiment lool kessé la len laaj ak ci commentaire aussi ngeen baye et commentaire c'est bien may lire et commentaire xam sen point de vue par rapport ak liguey bu ñuy def voilà donc aujourd'hui on est dans la rue me Galsen Waza bi na ko djema délocaliser di dem épikine et tiaro affaire yoy non di dem fune ci Sénégal hors de Dakar yep c'est prévu quoi dinañ ko def je veux que le concept soit vraiment décontracté me tok analyser waxe affaire joxe sama point de vue ci actualité wo xamné mo ngi daw ci culture urbaine en particulier le rap donc bala ñu commencer j'ai une grosse annonce à vous faire. Je vais vous laisser la vidéo pour vous aider à comprendre. La Break Station by Matmé Video. Waza sama gars donc Rap Rec Station amna groupe Facebook dem len gen bok ci groupe bi c'est ouvert à tout le monde kep ko ci bëgg bok da ngay ñëw Facebook ci barre de recherche bi nga bind Rap Rec Station gen gis logo bu noir et blanc bi gen def demande gen nek membre ci groupe bi gen def sen poste donc groupe bi lan moy vision bi tout ce qui est débat rap Galsen amul tabou amul dara nañ wax lepp dans le respect et la bienveillance ñu wax ci rap bi lan moko mëna doxal wax ay sujet du jour yena ma gëna xam dal bëgg na ñëpp bok ci donc tout de suite dem len gen bok ci groupe Facebook bi amna page Instagram aussi donc page Instagram bi c'est la même chose Rap Rec Station actualité news tout ce qui est rap Galsen di ngén ko fa am ak hip hop international aussi bu ñuy rombé lol aussi am nañ TikTok c'est la nouvelle tendance et aussi am nañ Twitter chaîne YouTube on est partout Rap Rec Station partout partout et partout donc l'essence du rap Galsen groupe 1000% hip hop Galsen jaja gis ngén ko mon projet bo xamné tan dama tok dégo len ma yon di en pleine réflexion ci média bu ma lancé moy Rap Rec Station worldwide quoi nek tout concept podcast bo xamné ma ko non def bima nekkon Abidjan la ko commencé on di wax un sujet c'est un audio tamit ci audio mac voilà donc podcast bi au-delà de lolo la fa bëgg dem quoi xam parce que équation de mat podcast on quoi parce que saison 2 dina am parce que mën na wax ni précurseur là qui en matière de podcast parce que moi def c'était à l'ancienne xam djel na fi one lyrical djel na fi ay nit dof ki le ba gaay buñ non gis timeline bi gis ni 1h30 de vidéo xam na ya ko def ak nit ay Karbala ko len xalat def na ko ak mom xam daf la non jaaxal parce que il savait pas lan moy format podcast quoi podcast boko dégué genre do émission podcast waxtan la genre dégué dalal nit ngén yaatal ngén waxtan genre ya des podcasts qui durent 2 heures de temps tu vois. Après gars mën nañ ko transmettre aussi ci les plateformes de streaming pour gars diko déglou fof quoi parce que boy doxantou boy dem sport quand mën ko déglou mais aussi genre dañ koy transcrire en vidéo aussi xam té mën genre ci lancer bob la nékkone té dama def break pour mëna lancer la saison 2 de équation de mat mu ngi ñëw Rap Rec Station comme nama ko expliquer ci vidéo bi ngeen jotté sétane tout a été dit donc tous les liens sont en description gri yalla gars dama leni soñ vraiment ngeen ñëw rejoindre Rap Rec Station ngeen rejoindre ko moi sur Facebook surtout je dis tiens Facebook groupe là c'est ouvert à tout le monde qui connaît mon neuf publier voilà ñepp ci mëna publier ken wax sen point de vue ken wax ni ngeen gissé affaire yi moi je suis ouvert on échange tout dans le respect nak vraiment on est là juste pour développer le rap wax suñu point de vue xol lan lañu mëna def pour hip hop Galsen bi avancer voilà donc rejoignez Rap Rec Station mu ngi YouTube mu ngi Twitter ñu ngi fait TikTok fo len xalat ñu ngi fa voilà donc assez parler xama le mo wax bari na trop c'était juste ben update là parce que gëna def vidéo face cam ni gëna ko def trop voilà amna émission ma enregistrer légui ma commencer publier len ñu ngi ñew voilà donc ñu ñew ci première actualité et on va parler de graph ñu ñep ñoo ci jot
genre c'était une affiche genre vert fluo ben nit tok non xamal ñun xamuñ ñon lan la quoi concrètement moi j'avais même pensé que BMJ là parce que nit bu ci nawon ci photo bi il ressemblait trop à BMJ pour moi BMJ dafa don annoncer benen affaire et c'était pas trop logique mané soir mo ngi joggé ci événement légui ak sorti projet bi mu def comment il va enchaîner comme ça quoi mané non genre thèse bob mënu ki quoi mënu nek thèse bob est-ce que ça ne serait pas une autre chose quoi xam nga may swap di laaj laaj na ay nit yu bari parce que gis na ay gars di partager mais amna xam nga ñu non partager mais ils savaient pas concrètement la loone quoi mais par la suite si lañu gis ben teaser ben vidéo bo xamné on a vu Gaston ak ay nit yu bari xam nga ñu ngi do demone genre ci région yi et tout ça té à l'ancienne genre quelques mois ci ginnaw gisone na poste bob quoi ci néné abé suma djomul genre ñu def voyage dem ci sud bi non affaire tout ça donc il s'avère que lool la woon quoi. Donc concrètement ko cet teaser bi da nga gis ni ñu né graph égal galsen rythme and flow donc rythme and flow buñ ko waxé automatiquement sama xel dafa dem directement ci rythme flow bo xamné ñu ngi mu ngi daw États-Unis genre depuis 2019 lañ ko commencé donc comme membre du jury il y avait Cardi B amono Chance the Rapper amono TI donc je vais pas mentir nak j'ai pas trop suivi xam sama ben boy bi réalisé non Calvin momay wax souvent rythme flow boy ko gagné et tout ça quoi donc il s'avère que lol non le français copié moy nouvelle école genre mais ñun on a repris le nom tu vois de la tour bi quoi peut-être man fof la xo comprendre ñaka comprendre parce que mënon nañ ko outal ben tour bu gëna original mais pas ñu reprend rythme flow quoi parce que boko waxé dé melni am nga affiliation ak directement rythme flow bu États-Unis parce que bo xolé The Voice amna The Voice France amna The Voice Allemagne amna The Voice Afrique donc bo jëlé tour bob peut-être est-ce qu'il y a problème droit d'auteur sax do ko jankontel après quoi donc je sais pas comme ils ont pas encore lancé le concept daw de mar un peu ngène xalat ci lol mayna nakamu ngène xalat ci affaire bob non ci tour bi à part ça genre l'idée est mortelle parce que dougu nañ façon fu nek ak teaser boko xolé genre tu as déjà envie dem déglou quoi dem sétane xol découvrir rappeur quoi c'est un peu comme flow up mais bu gëna profond quoi parce que ñom ñoy dem faire artiste dem de la rechercher alors que flop da nga inscrire ño presté donc vraiment on attend beaucoup de ce concept là man Daw de Mar en personne je le connais parce que jot nañ def buñu def TRG bi dem nañ Thiès on l'a vu et tout ça on voit que c'est un gars vraiment impliqué sur culture urbaine donc il est en collaboration avec wa Edge Production Edge mo nek Wakam donc de nuit sur Tam ak Papla ñom ño fa nek gisna sir tam aussi ci jury bi le bok et tout ça gisna mo cru amna ben boy bombu dal non donc il faut s'attendre à du lourd quoi vraiment ci concept bob donc lima meuna wax par rapport à ça donc l'information c'est que amna compétition bu bes bu ñew bu tuddu graph galsen written flow waxna sama critique un peu xam nga gaay nañ baye xel ci côté bob et on attend vraiment le déroulement quoi quand le commencer et tout ça quoi nak lañ ko meuna sétané ak yenn plateforme lañ ko meuna am voilà donc buñu jallé fof ma xol sama note. On va parler de Gaston aka Bandi Mike aka The Goat. Wow. C'est le seul rappeur xam dafa watch concert ma daw ba ci mom mané ko grand bégué xam nga parce que il m'a vraiment percé quoi man bu may gëna fatalé ko sama adolescence j'ai écouté vraiment et son et projet aussi et vraiment il a vraiment marqué xam marqué na culture urbaine bi quoi marqué na rap bu baax donc gis nañ ni dernièrement il est beaucoup dans tek loxom ci rap galsen bi quoi parce que bo len fateleko il avait sorti la compilation defati dara xam bo xame label moy def dara tu vois donc mu def defati dara mu ne compilation mu regrouper pas mal de rappeurs bo xolé affiche bi ya toutes les la crème quoi genre underground ni boy xamné rookie ñu xamné vraiment les artistes à venir à suivre ñom la dajalé et il a pris la casquette de beatmaker quoi parce que gas beat l'autre des bopam genre des teug beat té ci beat mi teug sax genre ci son wake up bu BMJ bi tu sens le sound de Gaston quoi genre bitam genre à l'époque ñu non qui est lol le indi wat vraiment mu nek un projet lourd man il me l'a donné en personne mais amé la mako jox inshallah man dina ci def ben analyse bu gëna profond quoi def listening ci projet bi donc bu joggé ci defati dara bi on a vu que le concert aussi de KMT Grand Théâtre mom moko organiser parce que gis nañ ci kaw de def dara studio mom mo organiser concert donc vraiment comme nous moko waxe rek bari na ay grand xamné c'est pas pour tirer sur les grands ñu xamné baye nañ rap wala ils sont un peu en retrait mais implication bu Gaston am jamono je ci rap bi vraiment c'est à saluer quoi
et pour venir à son actualité de La La La, tant yep mungi teaser mungi publié sur ses réseaux dem ak tay. Donc ben compilation bo xamné dafa wara ñew, moi il va venir en tant que beatmaker, moi produit projet bi, et on a vu des featuring vraiment intéressants quoi. Man bima gëna yëm ci ki xawma nak nak la mëna démé, mais il y aura Sori l'officier en featuring avec Youssou N'Dour quoi. Dama xamul nak on va sampler Youssou N'Dour wala Youssou N'Dour mo tek couplet wala mo tek refrain ak Sori tamit ñoo rap. Lolu dé boudé amna mom grand bi def na djégo bu mag quoi, parce que y a d'autres artistes gis na fi MJ de la Mancha ñenen ak ñenen ñu ngi ci projet bi, mu ngi annoncer dé duggal sen photo wax article ci ñom wax featuring bu mu nara am ci projet bi. Donc le projet sortira en novembre le projet bi di guen, ñun ñep ñu ngi golu ñu ngi xaar quoi, tay il faut s'attendre à du lourd vraiment. Voilà, bu ñu joggé fof ñu wax ci Galsen Hip Hop Award 2024, donc c'est la 10e édition, ça sera du 18 et le 19 octobre 2024. Donc YD va frapper encore fort, tant mo ngi def tourner médiatique, ñu koy gis ci podcast et plateau, moy commencer dawal communication bi, man je suis impliqué ci ci projet bi. Il y aura des contenus yo xamné dina ko def par rapport au Galsen Hip Hop Award. Donc ren gis nañ ni emblème mois octobre rose bi le prôné mom dafa melni jigéen lako jaglél, parce que chaque édition day am ben qui est thème Galsen Hip Hop Award bi amone éducation amone lenen légui biyon c'est octobre rose quoi, donc c'est honneur aux femmes. Voilà, donc gis nañ affiche bi tamit cypher bi, donc cypher bi bu ren bi il me l'a expliqué personnellement, il veut prendre les meilleurs de tous les cyphers xamné ci design de buñ ko amé. Donc bo xolé ya Carnabas, ya Deep, ya du Omzo, amna ñenen ak ñenen ak ñenen quoi, gaay dañu bëri nañ trop ñu xamné gens dañu wara bok ci cypher bi. Voilà, mais c'est discutable aussi quoi, parce que bo né tu as pris les meilleurs hein, man lire na liste bi YD, est-ce que duñu xajal ñen ñi tamit pour ñu duggu, parce que amna ñu xamné vraiment mérité nañ ñëwaat quoi, parce que xamnañ aussi on peut pas prendre tout le monde, mais il a fait de son mieux, il a pris ñu xamné vraiment mérité nañ, wala gaay ils sont beaucoup aimé sen couplet ci cypher yi, ñom ñoo nara def cypher bi. Donc man lén rek ben question rek la ci mëna am, moy est-ce que Gwadi aura le cran tayji de mettre Omzo et Deep dans le même cypher, fof lay tayje quoi, té gën wax mako ci commentaire xamna ci Wadi sañ na lune nak bo le na ay artiste xam né xow ñu ci cypher, mais Deep ak Omzo dans le même cypher wala J21 ak Carnabas dans le même cypher, vraiment Galsen Hip Hop Award bu ren bi dina neex. Voilà, on avance toujours ak Bess en prison quoi, bi POV la def moy point de vue diko ñaanal fu mu nek, xam nga vraiment tiabe bi fete ko kanam, parce que ñaanal ñu kenn vraiment tolof yi di dal suñu mbokk julit sax la mëna wax. Donc instant mo ngi ci tolof, mais on a reçu une information du genre que dafa guen et ça a été repris. Donc vraiment ben message yo xam dama ko bëgg porter buñuy relayer message vraiment nañ dem à la source quoi, parce que man de mon point de vue, parce que mom bu guenone tayji au moins il va faire un communiqué wala dinañ ci xam dara ci presse bi et tout ça, parce que pas parce que mu def ben post xam def ben post sur son Instagram gané ko non waji donc guen quoi. Donc nit artiste bi on di gis am nañ community manager, am nañ ñoo xamné ñoy gérer sen compte, et tayji bu ñuy gérer sen compte mu nañ duggal quoi, artiste bi mëna am occupation am yumay def du mëna vraiment am jotou nek ci réseau tout ça. Donc sen community manager ñoy gérer sen page ñom ñoy publier. Donc pourquoi pas hypothèse bob non bu amé il faut pas l'épargner bu nañ wax ni ak a-t-il été libéré, parce qu'on a vu que il a mis une souris sur son compte et tout ça, peut-être nit ñi peut-être xaw comprendre, mais affirmer qu'il est sorti or que jusqu'à présent on sait pas qu'il est sorti, donc ça prête à la confusion quoi, man fof lay waxé. Donc diko ñaanal aussi mu guen, voilà, donc su fekke guen na tamit ñu koy xaar ci ligéy bi, et vraiment nam nañ ko quoi, et son projet aussi na ci def ben vidéo inshallah. Donc on va venir sur les médias hip hop donc Khou Real Talk, voilà, donc moy ben podcast bo xamné Khou Meko moko animé, donc ça se passe du côté de Clubhouse, sollicité on nama pour me rejoindre l'un de tout ça, donc di rafetlu vraiment genre initiative mel non, donc ça prête beaucoup à la polémique jamono ji ñu nek ni, il faut savoir que ñi ci xamul nu mu démé, donc enregistré nañ ko depuis Corgué. Donc ils ont attendu des mois après de diffuser. Si ngeen gis sorti wu Carnabas bi, si ngeen gis sorti wu IC 814 BMJ tout ça, or que genn bu yag man sama ben collaborateur moy Tafa Ndiaye Mustaf
mom yag na mo wax genre podcast yi quoi genre wax ma passage arrêté tout ça fek ñep grand public xamnañ ci won dara donc ils ont attendu dougal affaire bi légui affaire bi instant mu ngi créer ciow bu mak donc is si le so gars so découvrir ni genre propos mi waxone ba jour kana tontu ko alors que xewona bu yag is aussi je vais faire une vidéo spéciale parce que faut mo wax côté bob non quoi té xam ngeen nu mu démé genre les gens que me suivent de près xam ngeen point de vue bu mam par rapport à lui té amna y a beaucoup d'amalgame quoi amna yo xamné vraiment ñu ngi ils ont mal compris man sama démarche et comprendre de travers quoi donc dina gëna jël temps mo wax nan la gissé carrière is jamono ji et di féliciter khour yol tok vraiment nañ continuer non quoi ñom sen podcast c'est plus audio genre Clubhouse lay dawé ci application bi après ñu dougal ko YouTube et aussi di lancer un message aussi bala naron nako faté moy les gens qui prennent le contenu genre bo xamné nek ki sonna bum koy def nga ñu diffuser ko sen plateforme quoi ci YouTube bi vraiment da ngay imaginer nit bu la ko defon dula neex donc su dé mën nañ baye xel ci côté bob non ñu respecter un peu le travail des gens xam dina ci bax quoi voilà sans citer de nom aussi et ñu dem ci Ouzik Buzz voilà Ouzik Buzz c'est la sensation du moment quoi mëna wax ci ñu ji bi mom moy liggéey mëna wax lool mom moy liggéey quoi mom moy mo nek di chokas di yëngal game bi mais toujours personne le répond xoma nax boy dañ ko ragal xoma lal dal la la mëna wax quoi xoss na fi cap yakine amuko mu xossul Jean il est dans la provoque mu ngi def lu muy def mu ngi ego trip mu ngi won ni mo mën ci boy nouvelle génération donc qui dit rien consent quoi lool lañ mëna wax bu dé mom waxna yeen ngeen nopi donc mën nañ wax ni boy bi instant bi moy leader nouvelle génération bi su fekke yeen ñep nopi mom man lool la mëna japp su dé japp ngeen ni boy bi yeen ko upp talent il faut le démontrer parce que nu mu jëlé temps dem studio xam wax ay waxam non ngeen mëna jël tamit diko répondre parce que ay nawlé ngeen bu len wax ni non du niveau du ki ous uppo len ko dara il a gagné des compétitions man nekona jury compétition bu mu gagné team rap gal sen et là il a gagné le concours impossible prod mo ngi deugal bopam gaay liggéey len quoi tontu len ko lool la len mëna wax vraiment sinon sen game bi dafa naralo trop on vient un peu sur l'avant-dernier sujet on va partir sur l'entrepreneuriat quoi man c'est un sujet vraiment qui me passionne et yo xamné bëgg na ci waxtan ak sama jeune frère yo xamné rappeur lañ regardez le modèle Samba Pesi quoi parce que mom la focus tay Samba Pesi il est parti de rien Samba Pesi il est parti de from jack 1 2 3 4 from jack 2 moi sama from jack favori xam nga intégrer reptile bok ci 221 def ay délire def ay clipam def ay affaiream def ay prouessam il a été critiqué il a été lu né wax nañ ko ci mom il est toujours là quoi mëno ko génné ci culture urbaine bi tu vois donc bu ñëw tay ji inaugurer son nouveau complexe duñu def lu du diko rafetlu quoi parce que rabbi té lay jox revenu bu len wax ni rabbi du fayul kuko wax genre né ko di wax deug les boy yo xamné genre sen tour génn ci lo bi ñom ñep ñu ngi am ay cachet sewan ay cachet bu dé 200 000 ou 300 000 ñu koy gagner vite fait quoi ci yeen concert ñu ngi len di booker légui xaliss bo bu dugusé il faut savoir comment manager ton argent xam ni ngay économiser xam ni ngay investir xam ni ngay défé ay affaire jënd ñaari tiak jox boy di liggéey xam ñu lay verser di jëm c'est des exemples parmi tant d'autres quoi parce que mëno nek da nga dem studio ñu jox la ki xaliss bi dugu gonos ding ci nos wala xam tu fais de mauvaises dépenses mauvais placement après nga né rabbi fayul rabbi day fay mais peut-être à une échelle bo xamné genre c'est cachet qui gagne aujourd'hui là avant yu gëna minimum loolu non gagné té do non investir encore genre même il investissait plus que sax dans les business mais il investissait dans sa musique xaliss bu ko don té non les panneaux publicitaires di liguer ci communication parce que xamna ni lool moy tax euleuk ça va porter ses fruits donc ci lool la toll donc di féliciter Samba Pesi Sénégal boy culture muy almadi man inshallah dina fa doxantou xol article fa nek et diko encourager on voit que il se débrouille mu ngi lidjenté bopam dal té boy yeb war ngeen ko roy ci côté bob non vraiment ñu dem ci dernier sujet moy le clip du jour donc sama coup de cœur le Tizi Poutine from Nyagas Block la len di inviter gënem sétant son dernier clip amul discuter tay mot d'ordre bi lenn la pouce bleu commentaire ci vidéo bi gën dem ci toutes mes plateformes Rap Rec Station gën abonné fa groupe Facebook Instagram bi TikTok fep gën abonné ba paré bo len paré nak gën jël sen temps gën sétant clipou Tizi Poutine mu ngi tuddu BLT ci man moy le meilleur clip de la nouvelle génération jamono ji je dis ça je dis rien gënem sétant ko
de remercier sama réalisateur Calvin Wesley ñu yoon jëppal prochain épisode bi peut-être on va aller dans d'autres quartiers ou dans une autre région on ne sait jamais merci beaucoup à la prochaine je vous kiffe Gili Gili Gossip, what's up?